Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment accompagner la chanson One du groupe U2. Alors, en ce qui concerne les accords, on a un accord de AM, la mineur, un accord de D, le Ré majeur, un accord de F, Fa majeur, qui n'est pas facile à faire sonner, ça parce qu'il faut barrer les deux premières. Les deux petites cordes en case 1. Sinon, vous pouvez le jouer en barré. Pour ceux qui maîtrisent les barrés. Donc, si vous faites l'accord de F comme ça, vous passez en case 3 et vous avez l'accord de G. Donc, en case 1, vous avez l'accord de F et en case 3, l'accord de G. Sinon, l'accord de G, vous le jouez comme ceci. Et il reste également l'accord de C. Voilà pour les accords. En ce qui concerne le rythme, je vous propose trois rythmes différents. Le rythme 1 que j'ai joué sur l'intro et le couplet, le rythme 2 que j'ai joué sur le refrain, et le rythme 3 que j'ai joué sur le pont. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez jouer que le 2 tout le long de la chanson, que le 1 ou que le 3, c'est vous qui décidez. On commence par le rythme 1, celui qu'on appelle le rythme feu de camp. Je vous montre sur l'accord de AM. 1, 2. 1, 1, 1. Encore une fois. 1, 1, 1. Je vous joue sur les accords du couplet. 1, 2. Facile. Je passe au rythme 2 maintenant. Je vous montre sur l'accord de AM. 1, 2. Ba, 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 ba. Encore. 1, 2. Ba, 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 ba. Je vous joue sur les accords du couplet. Et maintenant, on va passer au rythme 3, alors c'est le plus difficile. C'est la même chose que le rythme 2, mais à la fin, on va rajouter bas-haut. Et sur le dernier haut, vous allez en fait lever les doigts pour aller chercher l'accord suivant. Je vous montre sur deux accords, sur l'accord de AM et sur l'accord de D. 1, 2, bas. Le dernier haut, je lève mes doigts pour aller chercher l'accord suivant. Je vous montre encore une fois. 1, 2. Je lève mes doigts pour aller chercher l'accord de D. Je vous montre lentement sur les accords du couplet. Celui-ci, c'est le plus difficile. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le tour de la chanson. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.